Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Et je te donne aussi ma vie pour te servir. Tout est vanité des vanités sans Jésus. Le plaisir de ce monde t'est décevant. Tourne-toi vers l'Éternel. Il est le bon berger qui a donné sa vie pour te sauver. Et tu pourras dire, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Comment exprimer mon désir, celui de t'adorer. Parvis vaut mieux que mille ailleurs. Ta présence vaut plus que tous les plaisirs de ce monde. Alléluia. Seigneur, attire-moi dans ta présence. Attire-moi loin du péché, loin de ce monde. Je ne voudrais te perdre pour rien au monde. Oh Jésus, mon amour. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Tout est vanité des vanités sous le soleil. La gloire de ce monde passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Yeah. Alléluia. Lève tes mains et loue le Seigneur. Il est digne, digne de recevoir louange et gloire, adoration. Seigneur, mon ami, malgré l'opposition, malgré les attaques, loue Jéhovah. Il est digne, ce Dieu, digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Alléluia. Malgré l'opposition, malgré les attaques, loue-le par la foi. Écoute les prières de
kotika ngai te papa. Alléluia. Ma solution. Tu es mon seul refuge. Yo te necesito, Jesus Cristo. Mes orations. Je te cherche jour et nuit. Je te cherche jour et nuit. Alléluia. Tu es ma solution. Ma solution. Oh, ma solution. L'abri. Oh, Jésus, tu es mon seul refuge. Éternel. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui d'autre, Jésus, si ce n'est pas toi? C'est vers toi que moi je crie. L'Éternel jamais ne t'abandonnera. Et jamais. C'est vers toi que moi je crie. Jamais il ne te délaissera. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il a promis. Regarde pour circonstances, mon ami. Lève tes mains, adore Dieu malgré l'adversité. Malgré le vent contraire. Par la foi, adore ce Dieu et tu vivras sa gloire. Alléluia. Il est le Dieu fidèle. Il est celui qui t'aime. Nous allons lire l'évangile de Jean chapitre 6 à partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Verset 8, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Verset 10, Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assurent donc au nombre d'environ 5000. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Luc, chapitre 9, verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger
et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils les firent ainsi et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui peut transformer votre existence. Nous allons prier avant de commencer ce partage. Tendre Père, nous voulons ce soir, dépendamment de l'hémisphère où sont nos auditeurs, nos téléspectateurs, partager ta parole. La parole de vie. Ton Fils Jésus-Christ nous a dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous avons besoin que tu puisses nous instruire. Nous avons besoin que tu puisses nous édifier. Au nom de Jésus, je viens prendre autorité sur tout esprit de distraction, tout esprit d'empêchement, tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Jésus-Christ, tout esprit d'antéchrist. Amen. Alors, je pense que vous avez passé un bon moment avec la louange et avec Réseau New, c'est une rubrique où je passe les nouvelles, même certaines vidéos marrantes qui font rire, pas toujours religieuses, qui sont dans des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'ordre. C'est un enseignement que nous allons faire pendant 2 jours. L'ordre. L'ordre pour vivre la multiplication. L'ordre pour vivre le miracle. Ce passage, vous pourrez le lire dans Luc chapitre 9 et dans Jean chapitre 6 pour nos frères et sœurs catholiques, c'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, et dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 9. Et là, on nous parle de ce miracle que Jésus a fait dans le désert. La Bible nous dit que les gens, quand ils ont vu que Jésus faisait des miracles, ils ont commencé à chercher Jésus partout. Voyez, le miracle a toujours attiré la foule. Le miracle a toujours attiré la foule. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, l'évangile, c'est une démonstration de puissance. Et quelque part, il dit encore, il faut que votre foi ne soit pas basée
sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Voyez, quelqu'un qui a vécu un miracle, quelqu'un qui a vécu une expérience surnaturelle avec Dieu, c'est quelqu'un qui a une foi ferme, qui aura du mal à douter même de l'existence de Dieu. Voyez, mais quelqu'un qui va à l'église tout le matin, qui voit des statues qui ne parlent pas, qui ne bougent pas, qui allument des bougies, mais qui ne vit rien de surnaturel, à un moment donné, il devient athée. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué des athées. En France, une bonne majorité des Français sont devenus athées. Et mais bien sûr, certains croient à la voyance. Si vous croyez à la voyance, vous croyez, et je peux vous dire, 60% au minimum des Français ont déjà une fois consulté des voyants. Et si vous croyez à la voyance, donc vous croyez à la dimension spirituelle de l'être humain, vous avez tort de ne pas croire en Dieu. Voyez, une expérience que j'ai vécue, je suis en prière actuellement et la nuit je rêvais d'un avion qui a fait naufrage au bord de la plage. Et ce matin je me réveille, j'étais en train de m'interroger sur ces sujets quand j'allume la télé, j'entends parler d'un avion aussi qui a fait naufrage, je crois, vers Marseille, je pense, si je ne me trompe pas, au bord de la plage aussi. Je dis, mais tiens, mais j'avais vu ça en songe. C'est là que le Saint-Esprit va me dire, je mets en toi une onction prophétique. Et plus tu vas te rapprocher de moi, plus tu vas te sanctifier, plus tu vas voir les choses. Voyez, c'est comme si un prophète, c'est comme quelqu'un qui est derrière une vitrine. Un prophète, c'est comme quelqu'un qui est dans une maison et qui voit le paysage derrière une vitrine, la fenêtre de la maison. Et si la fenêtre est sale, c'est normal, il aura du mal à voir ce qui se passe au dehors. Plus la fenêtre est propre, laver, nettoyer, il pourra distinguer bien les visages, savoir bien qui fait quoi et expliquer aux gens de la maison ce qui se passe dehors avec précision. D'ailleurs, la parole de Dieu va confirmer cela dans 2 Timothée 2. Dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Des vases d'argent et des vases d'or. Certains pour un usage vil et certains pour un usage noble. Et l'apôtre Paul va rajouter, si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'usage noble. Il voulait dire simplement que la sainteté rallume, permet au don spirituel qui est en vous de se manifester. Surtout, l'onction prophétique est une onction très sensible. Vos yeux doivent être purs. Hein? L'apôtre Jacques dit, « De la même source ne peut jaillir l'eau amère et l'eau douce. » Et comme je peux dire, « De même yeux ne peut, les mêmes yeux ne peut percevoir les impuretés et les puretés. Si vous sanctifiez vos yeux, vous sanctifiez votre bouche, vous sanctifiez vos oreilles, croyez-moi, vous allez
commencer à expérimenter des révélations surnaturelles avec une exactitude impressionnante. Notre Dieu existe. Je peux vous dire que notre Dieu existe. Je vous parle parce que j'ai des témoins en Guadeloupe, en Martinique, même ici à Paris, qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont vu Dieu agir, Dieu libérer, Dieu guérir, et des miracles spectaculaires. Voyez. Alors dans Luc chapitre 9, comme nous l'avons vu, Jésus est arrivé, est allé dans le désert, mais la foule le suivait jusque dans le désert. Vous savez, j'ai tellement entendu certaines personnes dire « il n'y a pas assez du monde dans l'église parce que l'église est mal située. Il n'y a pas assez du monde dans l'église parce qu'il n'y a pas de transport dans tel endroit. » Mais croyez-moi, lorsque la présence de Dieu est palpable, lorsque la présence de Dieu est tangible, les gens vont te suivre. Les gens vont te suivre où que tu ailles. Il y en a qui vont prendre leur avion. Moi, je suis à Fresnes. Il y a des gens qui quittent le Havre pour venir recevoir de Dieu. Il y en a qui quittent même le Pays-Bas. Il y en a qui quittent la Belgique. Il y en a qui viennent de Bordeaux, des provinces. Parce qu'ils veulent vivre la présence de Dieu. Et bien sûr, nous les hommes de Dieu, nous devons vivre dans la présence de Dieu. Comme Élie disait, Élie ne s'est jamais défini comme un prophète. J'aime bien cet homme-là et je porte son prénom. Élie ne s'est jamais dit prophète. Mais Élie se définissait étant que l'homme qui se tient devant l'Éternel. Il disait toujours, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Vous voyez, quand vous vous tenez dans la présence de Dieu, l'onction va vous accompagner. Et je compare un peu la prière d'un homme saint dans la présence de Dieu à des panneaux solaires. Les panneaux solaires, quand ils sont exposés au soleil, ils reçoivent l'énergie solaire et les batteries sont chargées. Plus longtemps ils passent devant le soleil, plus longtemps les batteries seront chargées. Et plus tu passes le temps dans la sainteté, dans la présence de Dieu, plus l'onction va te remplir, plus tu seras rempli du Saint-Esprit. Croyez-moi, nous vivons un Dieu vivant. Et vous savez que Jésus, c'est le seul prophète qui a dit, voici le signe qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Aucun être vivant, que cela soit Pharaon, je suis vraiment beaucoup affligé de voir tous ces jeunes afro qui vont dans le culte des ancêtres. Malheureusement, c'est les descendants afro qui sont nés aux Antilles et à New York et qui sont à la recherche de leur identité et qui se laissent manipuler par tous ces gens possédés par le diable pour leur dire « Laissez le christianisme, c'est la religion de blanc, des colonisateurs, et allons vers le culte de nos ancêtres. » Mais ils sont ignorants de ce que c'est que le culte de nos ancêtres. Moi, je suis descendant de deux tribus. Voyez, mon grand-père était chef coutumier chez les Balouba et ma grand-mère est une descendance royale chez les Bambala.
Le culte des ancêtres, c'est rien d'autre que la sorcellerie. L'initiation à la sorcellerie, c'est ça le culte des ancêtres. Nos ancêtres pratiquaient la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est pas l'occultisme, c'est plus que l'occultisme. La sorcellerie, c'est un être humain, la nuit, son esprit sort de son corps. Un être humain, dans la franc-maçonnerie ou dans un langage occulte, on appelle ça projection astrale. C'est-à-dire que la nuit, pendant que quelqu'un dort, son esprit sort de son corps, mais son corps reste vivant parce que son âme est toujours là, mais lui, il voyage. Et il peut faire du mal, il peut tuer, il peut envoûter, et certains vont même coucher avec certaines femmes. Je crois que les gens l'appellent aux Antilles d'Orlis. C'est ça le culte de nos ancêtres. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de nos jeunes enfants qui sont séduits par cette doctrine. Mais vous savez que le christianisme n'est pas la religion de blanc. Jésus n'était pas un blanc. Jésus avait un peau basanée. Et de toute façon, que Jésus soit blanc, noir ou jaune, ça change rien à la vérité biblique. Jésus est esprit. Si vous allez lire dans le Coran, il y a la sourate 15, le verset, le chapitre 15, si je ne me trompe pas, qui dit « Parlons à Marie ». Disons, le Coran dit clairement, on va lui envoyer un esprit qui vient de nous. 19, verset 16 à 34. Et dans l'écriture, mentionne Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu oriental et qu'elle disposa un voile en deçà d'eux, nous lui envoyâmes notre esprit, et il s'offrit à elle sous la forme d'un mortel accompli. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Ici, le Coran dit quelque chose d'extraordinaire. Le Coran montre même que Jésus n'est pas un être humain comme tous les autres. Il a préexisté avant sa naissance. Il était esprit. Et il a été envoyé dans Marie. C'est pour cela que Marie n'a pas eu d'homme, de rapport sexuel avec un homme. Voyez. Alors Jésus est né dans la lignée de David, dans la lignée d'Abraham. Non parce qu'Abraham était blanc ou noir, simplement parce qu'Abraham était le premier croyant. Vous voyez, c'était pas en fonction de la couleur de la peau, c'était en fonction de la foi. Comme Abraham était le premier croyant, Dieu lui a promis, vous voyez, Dieu a promis à David aussi que l'un de ses fils régnera éternellement sur son trône. Donc, ces jeunes-là se font séduire dans cette fausse doctrine et s'égarent. D'autres ont été initiés à la sorcellerie. Mais vous voyez, ce genre de doctrine, si vous êtes un descendant afro-antillais, américain, noir américain, ou je ne sais pas, noir brésilien, vous allez voir qu'un Africain d'origine n'acceptera jamais ça. Observez bien les Africains d'origine, tu ne le feras pas avaler cette pilule et parce qu'ils savent bien qu'est-ce que c'est que le culte des ancêtres, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie. Et la sorcellerie est l'une des causes pour laquelle l'Afrique ne se développe pas. Vous voyez, j'ai beaucoup prié pour l'Afrique, j'ai beaucoup réfléchi. Et je réfléchis dans l'angle économique, dans l'angle militaire, dans l'angle politique. Et je suis arrivé à une conclusion, c'est que le développement de l'Afrique passe par une délivrance spirituelle.
la sorcellerie qui maintient l'Afrique dans la bêtise et dans la médiocrité. C'est pour cela que j'appelle tous les chrétiens africains de quelque pays que tu sois. Sanctifions-nous et entrons dans le combat spirituel pour libérer nos pays de la médiocrité et de l'esclavage financier, l'esclavage financier, mental et spirituel. Donc Jésus arrive, on revient à notre passage, Jésus arrive dans le désert et les gens le suivent. Et ces gens avaient faim. Ces gens avaient faim. Et Jésus a eu compassion. Jésus a dit aux disciples d'acheter du pain, de nourrir cette foule. Et, mais les disciples ont regardé le nombre des gens qu'il y avait. Ils ont dit, mais c'est impossible. Où trouverons-nous tout ce qu'il faut pour nourrir? Nous n'avons qu'un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais remarquez bien dans Luc 9, les disciples ont dit à Jésus, cet endroit est que désert. Mais quand vous lisez dans Jean chapitre 6, la Bible dit que Jésus a dit aux disciples, faites asseoir les gens dans l'herbe. Et la Bible dit dans l'évangile de Jean qu'il y avait beaucoup d'herbe. Et sûrement, les disciples ont regardé le côté négatif. Les disciples avaient un langage charnel et négatif. Voyez, faites attention avec votre langage. Vous savez qu'il y a des gens qui voient que le mal. Croyez-moi, il y a des gens qui sont tellement négatifs qu'ils voient que le mal. Ils sont tellement défaitistes, ils sont tellement défaitistes qu'ils prophétisent même leur propre échec. Il y a des gens qui sont tellement négatifs qu'ils ont peur d'échouer. Et ils n'osent même pas faire les choses dont ils ont la capacité. Il y avait de l'herbe verte, mais ces gens n'ont vu que ce grand désert qui les entourait. Voyez, cela arrive aussi dans nos couples. Il y a des hommes qui sont tellement négatifs, même des femmes qui sont tellement négatives, ils ne voient que le défaut de leur épouse. Vous voyez, apprenez à voir les qualités des autres. Apprenez à souligner les qualités des autres, les qualités de vos enfants. Soyez un homme de foi. Vois les qualités. Les disciples n'avaient pas la foi. Ils étaient incrédules. Vous voyez, il y aura toujours des situations où, dans la vie, d'une manière ou d'une autre, on sera dépassé. Oui. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser, quelle épreuve que tu es en train de vivre. Mais je sais une chose, que ton Dieu est capable, que tout est possible. Ne passez pas votre temps toujours à penser aux difficultés, aux complications. Ne passez pas votre temps toujours à confesser la négativité. Apprenons à parler positif, à parler le langage de la foi.
Certaines personnes y passent tout leur temps à confesser « Ah, la vie est dure, ah, la vie est dure, ah, je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance. » Et d'autres même s'insultent « Je suis un nul, je suis un nul. » Eh bien, vous risquez de devenir plus nul encore. N'oubliez jamais que les paroles qui sortent de nos bouches sont des sémences. Écoute-moi bien. Les paroles qui sortent de nos bouches sont des sémences. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Dans Proverbes 3 ou 4, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce n'est pas au pouvoir du sorcier ou au pouvoir du médecin. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, cela veut dire simplement que votre langue peut vous amener à la mort. Un autre verset dans le Proverbe dit « Celui qui veille sur sa bouche veille sur son âme ». Vous voulez prospérer ? Commencez à parler le langage de la prospérité. Et vous savez, votre bouche révèle votre cœur. C'est du cœur que la bouche parle. C'est du profondeur du cœur que la bouche parle. Quand vous avez la foi dans votre cœur, vous allez commencer à parler un langage de foi, pas un langage négatif. Vous allez commencer à déclarer « ça ira, je m'en sortirai, je triompherai ». Comme Job qui était malade, 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 il avait perdu tous ses biens, mais il a continué à déclarer « mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier, je m'en sortirai ». Et vous savez, la véritable foi va vous rendre incrédule à l'échec. Quand quelqu'un dit « Ah, pasteur, j'avais cru, mais ça n'a pas marché », c'est qu'il n'a pas cru. Parce que si vous avez vraiment cru, vous n'allez pas dire et confesser que ça n'a pas marché. La foi est une démonstration, une certitude absolue. La foi est une démonstration, une assurance, une certitude absolue. Je crois que ça marchera. Vous voyez, c'est le cas de, dont je vous parlerai du prophète Élie. Élie est allé dire à Acab, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Attelle ton cheval et cours vite. Mais Élie est un vieillard. Hein. Mais la Bible dit qu'Élie a couru à pied plus vite qu'Acab sur son cheval. Il a pu dévancer Acab. Et Élie va aller prier. Il prie une première fois, ça ne marche pas. Une deuxième fois, ça ne marche pas. Une troisième fois, ça ne marche pas. Il se dit, tiens, ça doit marcher. Il y a un truc qui ne va pas. Une quatrième fois, ça ne marche pas. Une cinquième fois, ça ne marche pas. Une sixième fois, ça ne marche pas. Et la septième fois, il dit à son jeune serviteur, va regarder dans le ciel s'il y a un nuage qui vient. Et ce jeune serviteur va regarder, il a vu un nuage en forme d'une main. Voyez, Élie a prié sept fois. C'est ça la foi. Il ne s'est pas arrêté la deuxième fois ou la première fois ou la quatrième fois pour dire, ah, mais si j'ai prié, ben moins, ça n'a pas qu'à marcher, situation n'a pas qu'à changer. C'est que quelque part, tu ne crois pas. La véritable foi va te rendre incrédule aux échecs. Voyez là, moi, je suis en train de faire de jeûnes multiples. Je jeûne 3 jours et puis j'arrête, mais je ne vois rien qui se passe. Je recommence 7 jours et j'arrête, rien qui se passe. Mais je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Je veux continuer jusqu'à ce que quelque chose se passe. Parce que j'ai la certitude
que ce Dieu qui a dit « Invoque-moi et je te répondrai » ne peut pas mentir. C'est Dieu qui a dit « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses ». Des choses cachées que tu ne connaissais pas ne peut pas mentir. J'ai la conviction et la certitude. Alors ne soyez pas négative. Les disciples ont regardé le désert. Ils étaient tellement négatifs quand ils ont vu un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Ils ont sous-estimé ces garçons. Il n'y a qu'un petit garçon qui a que 5 pains et 2 poissons. Voyez. Les gens négatifs sous-estiment leur potentiel, se sous-estiment, ne croient pas en eux, n'ont pas confiance en eux et sous-estiment les petits moyens. Et elle s'est prouvé que Dieu utilise toujours des petits moyens. Dieu commence toujours petit avec les gens. Et pourquoi? Parce que lorsqu'il utilise de gros moyens, c'est trop facile. On a du mal à reconnaître sa main. Dieu utilise toujours des petits moyens. Ne sous-estimez pas les petits moyens que vous avez. Si vous avez 5 pains et 2 poissons, commencez votre business avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Et un jour, vous allez ouvrir une poissonnerie et une boulangerie. Ne sous-estimez pas les petits moyens. Voyez, c'est une loi spirituelle même qui s'applique aux non-croyants. Parfois, les Chinois commencent à vendre des sushis dans la rue. Sur une petite table, un Chinois, à Pointe-à-Pitre, vendait des sushis dans la rue. Quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, j'ai vu ce Chinois commencer. Il vendrait des sushis dans la rue. Et au bout de quelques années, maintenant il a un restaurant. Et il va ouvrir un deuxième, un troisième. Mais malheureusement, nous qui n'avons pas la culture, surtout nous les Afros, ne sommes pas commerçants culturellement. Nous n'avons pas cette éducation souvent, malheureusement. Nous ne sommes pas moins intelligents que les autres, mais nous n'avons pas ces notions et cette éducation. Nous aimons toujours commencer grand, prendre des grands crédits et se retrouver finalement dans des problèmes, dans des difficultés. Ne sous-estimez pas les petits moyens. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, dites-vous que vous êtes capable. L'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, « Va avec le peu de force que tu as. » Gédéon se sentait tout petit. Mais l'ange de Dieu lui a dit « Salut vaillant héros ». L'ange de Dieu n'a pas vu dans Gédéon un fainéant ou un peureux ou un lâche, mais il a vu en lui un héros. Mais les disciples, ils n'ont pas vu l'herbe verte qui poussait à côté, mais ils ont vu l'étendue du désert, ils ont vu que le négatif. Écoutez bien, j'aimerais vous dire, arrêtez aussi de voir le négatif dans votre mari ou dans votre épouse. Refusez que le diable, toute la journée, vous montre que le côté négatif de votre époux ou épouse. Cela va détruire l'amour qui est en vous. Apprenez à voir le côté positif, ses qualités. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, l'amour ne voit point le mal. L'amour ne passe pas son temps à voir les défauts des autres. L'amour voit les qualités. Même quand les gens sont remplis de défauts, mais l'amour essaye
de voir les qualités. Alléluia. Et quand vous avez l'amour, vous allez aimer tout le monde. Vous allez souligner leurs qualités. Vous allez les encourager. Voilà l'erreur que les disciples ont fait. Ils ont dit, cet endroit est désert. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas d'issue, cet endroit est désert. Eh bien, mais Dieu peut faire le miracle, même dans les déserts. Rien n'est compliqué pour notre Dieu. Notre passé peut être un désert aussi. Les disciples ont regardé le désert, mais il y a certains, comme les disciples, ils ne regardent pas le désert, mais ils regardent leur passé. Apprenez à oublier votre passé. Pas tout votre passé négatif. Apprenez à oublier tout votre passé négatif. Votre passé ne vous définit pas. Ne vous appuyez pas sur votre passé. Coupez le cordon ombilical. C'est comme un enfant qui sort du ventre de sa mère, on coupe le cordon ombilical. Et l'enfant continue à évoluer. Oubliez votre passé. Peut-être hier vous avez échoué. Et ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui ou demain vous allez échouer. Au contraire, les échecs, quand on tire de bonnes leçons de nos échecs, on devient plus fort pour le futur. Voilà pourquoi on dit nos échecs nous préparent pour les réussites, pour les succès à venir. Si vous avez la bonne attitude, si vous savez comme on tire le jus d'un cocotier, d'un coco, on prend un noix de coco, on tire le jus, et certains après jettent le noix. C'est pareil, l'orange, on tire le jus, après on jette le reste. De même, tes échecs ou de ton passé, tire les jus, les bonnes leçons que vous avez compris. Et après, jetez le reste. Oubliez-le. Et dites-vous, maintenant, je serai plus prudent. Maintenant, je serai plus sage. Là, j'ai fait une erreur. Mais maintenant, je vais recommencer encore, mais avec plus de sagesse. Alors, après, nous allons entamer. Nous allons parler de l'autre partie de l'enseignement. L'ordre. Notre but, c'est l'ordre. Jésus voulait faire la multiplication de pain. La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes affamés. Et vous savez, ce qui me choque, c'est l'attitude des disciples. Renvoie la foule. Qu'ils aillent se débrouiller dans la ville même. Renvoie-les. Voyez, c'est le langage des gens qui n'ont pas l'amour. Certains pasteurs renvoient des brebis. Les gens ont besoin de délivrance, mais des fois, ils ne trouvent personne qui investit le temps pour prier pour eux. Mais Jésus, lui, il avait la compassion. Vous savez, Jésus ne faisait pas de miracles pour impressionner les gens. Jésus ne faisait pas de miracles pour se faire valoriser. Il faisait de miracles parce qu'il avait compassion. C'est ça la différence. Jésus faisait de miracles parce qu'il avait compassion. Alléluia. Et voilà pourquoi je pense que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera le même œuvre que moi, et il en fera même de plus grandes. Mais je pense que nos églises, quand je dis non, beaucoup de nos églises ne vivent pas des miracles parce que nos motivations ne sont pas bonnes. Nous devons prier avec amour. On doit aimer les malades. On doit avoir la compassion. On doit prier
parce qu'on a compassion, et non faire du spectacle. Nous ne devons pas faire du spectacle. Et ça, c'est un message que j'adresse aux pasteurs. Ne tombez pas dans le piège du spectacle. Voilà pourquoi certaines qui veulent faire le buzz et le spectacle vont jusqu'à faire des miracles mensongers, révélations mensongères. Certains jouent aux prophètes, mais c'est du mensonge. Ils ont eu des informations d'une manière charnelle. Et après, ils viennent prophétiser. Tout ça, c'est parce que nous voulons faire du spectacle. On travaille pour soi. On veut impressionner les gens. Mais on veut pas. Mais en réalité, notre but étant que serviteur de Dieu, c'est de présenter Christ. Alors, je suis arrivé à la fin de cette première partie pour te dire, change la manière de te voir. Ne te méprise pas toi-même. Ne te sous-estime pas toi-même. Ne te rejette pas toi-même. Comme je dis toujours, si tu n'es pas bien dans ta peau, tu seras bien avec personne. Aime-toi tel que Dieu t'a créé. Peut-être que tu as des faiblesses, mais sache que Dieu peut utiliser tes faiblesses pour se glorifier. Voyez, comme a dit l'apôtre Paul, dans ma faiblesse, ta grâce me suffit. La grâce de Dieu te suffit. Dis, Seigneur, merci pour la femme que je suis. Seigneur, merci pour l'homme que je suis. C'est vrai que je vois que je suis dans un désert financier, désert spirituel, désert affectif. L'endroit où je suis est désertique. Certains de mes bien-aimés qui m'écoutent là sont dans un désert aussi. Ils vivent un désert. Et nous savons que toi, tu es le Dieu de la multiplication. Nous voulons nous asseoir dans l'herbe verte, car tu avais dit, faites asseoir la foule sur l'herbe verte par rangée des 50. Seigneur, nous nous attendons en toi. Ta parole nous dit que jamais tu nous abandonneras, jamais tu nous délaisseras. Tu ne peux pas mentir. Nous pouvons dire comme Job, nous savons que notre Rédempteur est vivant. Mes propres yeux le verront. Ton Rédempteur est vivant. Tes propres yeux le verront. Crois-moi. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Aucun pasteur ne peut te donner ce que Dieu te donnera lui-même. Arrêtez de courir derrière les hommes. Courez auprès du Seigneur. Donne ton cœur à Jésus, donne ta vie à Jésus et cherche la face de Dieu. Trouve-toi une église où on prêche Christ en esprit et en vérité. Et vas-y pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Nous allons suivre la suite de notre émission. Quelques cantiques à la gloire de Dieu, ça vous fera du bien. À bientôt. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous laisse tous passer une bonne journée. Que bon Dieu bénisse autres. À bientôt.
sensation de plaisir, je le ressens dans mon cœur. Toi et moi, c'est pour la vie. Tous les jours, je t'aimerai toujours, c'est pour